D'abord, c'est un polar. Vraiment, j'insiste sur le terme roman noir, parce qu'il n'y a pas de policier, alors il n'y a rien. Le roman noir, comme le définit Dominique Manotti, c'est en quoi la société rend-elle l'homme mauvais? Qu'est-ce qui lui fait? Qu'est-ce qui fait, que ce soit la pression sociale ou voilà ce qui se passe même dans un cadre intrafamilial, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on bascule dans la criminalité? Et on est pile là-dedans, dans Les Doigts Coupés. Alors pourquoi je me suis saisie de cette époque? Parce que tout d'un coup, moi j'étais à Blois au Festival du roman noir historique. Et bon, c'était après le confinement, il faisait très 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 froid, il n'y avait personne. Et tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un qui annonçait une conférence handicap et archéologie. Et en fait, j'ai eu une épiphanie sur ce que j'ai entendu. Je me suis dit, il faut écrire quelque chose sur la préhistoire. On a toujours montré des héros masculins qui parlent comme des animaux. Ça suffit, tout le monde sait que au moins 35 000, que ce soit les paléo-neurologues ou même tout simplement les gens qui commentent les fresques laissées par nos ancêtres, enfin, que ce soit aussi les techniques de chasse, ces gens parlaient comme nous. Non seulement ils parlaient comme nous, et surtout ils parlaient beaucoup, je pense, puisque il faut les occuper, les longues soirées de l'hiver de l'ère glaciaire, enfermés dans une hutte. Évidemment que les gens parlaient, racontaient des histoires. Et puis, surtout, l'homme est ce qu'on appelle une espèce fabulatrice, c'est-à-dire que quand elle n'a pas d'explication à quelque chose, il faut trouver une histoire. Mais imaginez pour un homme préhistorique en moins de 35 000 ans, qu'est-ce que les étoiles? C'est quoi la nuit? Est-ce que c'est une peau qu'on met sur le soleil avec des trous et le soleil passe à travers? Est-ce que c'est quelque chose de magique? Où va la mer quand elle coule? Où est le bord du monde? Enfin, c'est plein de questions comme ça. Et surtout, la question centrale à laquelle on n'a toujours pas répondu aujourd'hui, à savoir, où va-t-on quand on meurt? Donc l'impasse métaphysique de l'être humain qui est le même pour nous que pour les gens de cette époque-là, puisque même les Néandertaliens enterraient leurs morts. Donc il y a vraiment quelque chose. Une question, enfin, c'est une réponse symbolique à une impasse métaphysique. Précile Touraille, elle s'est posé une question toute bête. Pourquoi au Paléolithique, les hommes et les femmes ont la même taille et pourquoi aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui a conduit à ce que la taille des femmes réduit alors que c'est ce qu'on appelle une évolution coûteuse qui n'existe pas dans la nature? Pourquoi coûteuse pour les femmes? C'est que plus elles réduisent en taille, plus leur risque de mourir en couche est énorme. C'est de 10% par centimètre à partir d'1,54 m. C'est effroyable quand on y pense. Alors pourquoi sont-elles devenues plus petites, puisque c'est une évolution coûteuse? C'est ça la grande question. Et sur 600 pages de thèse, elle explique tout simplement que la nourriture a servi de moyen politique d'asservissement sexuel et surtout pour faire travailler les femmes. C'est les plus petites qui ont survécu à la faim en continuant à allaiter des enfants et en étant enceintes. C'est en ça qu'elles ont évolué en étant de plus en plus petites. Donc, enfin, j'ai trouvé ça mais édifiant, cette thèse. Et elle m'a conduit à Charlotte Abete, donc, qui a écrit Les Doigts Coupés, qui explique que, en fait, la femme a toujours été exclue du façonnage des matières dures ainsi que du façonnage donc des armes. Si on ne peut pas façonner ces matières dures, on ne peut pas façonner des outils de production pour pouvoir être indépendante. Donc elle est toujours obligée de demander en fait. Et c'est le socle pour Paolo Tabet, c'est le socle de la domination masculine. C'est justement ça. Et c'est pour ça qu'elle a appelé ses livres Les Doigts Coupés. En fait, elle parle d'une population qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Dani, où les petites filles, on leur coupe les doigts pour les offrir aux ancêtres. Et cette population, en fait, les femmes ont un bâton, qui est un bâton fouisseur. On ne leur coupe jamais le pouce et l'index, qui sont des doigts sacrés. Et ce bâton fouisseur leur permet de sortir les pommes de terre, les racines, faire à manger, etc. Mais elles s'occupent des enfants, mais elles ne peuvent rien tenir, en fait. De la même manière qu'on a créé des chaussures trop petites pour que les femmes s'éloignent en Chine.
de manière qu'on coupe le clitoris des petites filles. Enfin, la femme a toujours été confinée à la hutte et contrôlée. Voilà. Et c'est ça dont parlent les doigts coupés. Et en étudiant les populations de chasseurs-cueilleurs, tout d'un coup, j'ai commencé à façonner les rapports de force dans les tribus. Et donc, Oli, mon héroïne, subit ces rapports de force dans son quotidien, quoi. En fait, un personnage, ça ne devient pas transgressif comme ça, surtout dans un univers familial. Ça, c'est les mauvais auteurs qui considèrent tout d'un coup les femmes se révoltent, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, Oli, elle est née dans une famille. Il faut savoir qu'il n'y avait pas plus de 800 000 humains sur Terre. C'est très peu. Et dans cette famille, en fait, ce qui s'y passe, c'est le quotidien. C'est-à-dire, c'est comme ça. On ne remet pas en cause quelque chose qui a toujours été. Seulement, il lui arrive deux choses. La première, c'est que de naissance, elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle a un frère jumeau. Et son frère jumeau, il a tous les droits alors qu'il est complètement demeuré, et elle aucun. Et ça, c'est quand même très énervant. On a beau dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas de droit et que c'est comme ça parce qu'on est une fille, c'est révoltant. Et la deuxième chose, c'est que tout d'un coup, un jour, à l'occasion d'une rencontre, elle rencontre des femmes qui chassent. Et là, c'est la révolte. La plus grande révolution anthropologique, c'est ce qu'on appelle la conscience reproductive. Ce n'est pas du tout évident que le sexe donne des enfants. Il y a des populations qui ne le savaient même pas encore au début du XXe siècle, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont encore une fois des populations qui restent restées à l'âge de pierre. Et c'est vachement difficile de savoir que quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un ventre est dû au sexe qu'on a fait il y a 9 mois. En fait, tout est fait pour que les femmes croient que leur corps subit des cycles. Par exemple, c'est quand même vachement étonnant, et c'est pour ça qu'on ne pourra pas nous implanter ailleurs, le cycle menstruel est calé sur la Lune. Nous avons 29 jours de cycle, et la Lune, son cycle est de 29 jours. Donc tout dans la nature est fait pour rappeler à la femme qu'elle vit dans un cycle. Le cycle des grossesse, allaitement, un jour elle devient grande, elle a de la poitrine, son corps change, grossesse, allaitement. Pourquoi est-ce que la création de la vie ne serait pas n'appartenait pas à ce cycle normal d'une femme. Savoir que c'est dû au sexe, c'est dû vraiment à une découverte un jour, un matin, au temps T. Et à ce moment-là, quand on découvre que le sexe donne des enfants, c'en est fini pour les femmes, parce que c'est un phase métaphysique qui fait que, en fait, où est mon ami quand il est mort? Je le coupe en deux pour regarder. Où est-il, comme fait son oncle? Il est nulle part. On ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas où sont remisés les souvenirs, les aventures. Où est-on? L'homme va comprendre que le sexe donne des enfants. Il va vouloir avoir une sexualité avec la femme qu'il choisit pour qu'elle porte son fils, qui portera ses armes et son nom. Les petites filles n'ont aucune valeur. Mais la femme qui va refuser l'homme, elle lui refuse quelque chose qui est bien plus que le sexe. Elle lui refuse la possibilité d'enjamber la mort. Enfin, je veux dire, c'est un truc gravissime. Donc le sexe féminin, en fait, il sera toujours perdant. Alors, ce n'est pas parce qu'ici, on a des féministes et qu'on pense qu'on a tout compris. Je veux dire, allez, 60% du monde, ce n'est pas le cas. 70%, imaginez une crise tout d'un coup et les choses redeviendront comme avant. En fait, on est un sexe perdant et ça ne changera jamais. Ça ne veut pas parce que constitutivement, ce n'est pas possible en fait. Et l'humanité n'aurait pas aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, 9 milliards, 7 milliards, je ne sais plus, si tout d'un coup les femmes avaient décidé qu'elles ne voulaient pas. Elle ne voulait pas mourir en couche parce que aller accoucher à l'Ornithien en l'ère glaciaire, franchement, c'est dissuasif. Hein qu'elle ne voulait pas, qu'elle voulait faire autre chose que tourner autour d'une hutte avec des enfants. Imaginez qu'une femme veuille chasser à l'Ornithien, mais il n'y aurait plus d'enfants. Enfin, l'humanité serait arrêtée. Donc, si l'humanité ne s'est pas arrêtée, ce n'est pas parce qu'elles sont gentilles et qu'elles ont accepté de bonne grâce d'avoir des enfants. Ce n'est pas ça. Et en fait, comment est-ce que les hommes préhistoriques sentaient le soleil, la beauté, ça me passionne. Et c'est ça l'archéologie du sensible. Et dans mon livre, il y a une partie qui parle de ça, dont personne ne me parle jamais, mais qui m'est très chère. C'est, par exemple, on a retrouvé dans des temps extrêmement reculés, chez les Homo erectus, des collections d'objets, de curios, comme dirait
Roger Caillois, c'est-à-dire des pierres remarquables. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est presque un singe ramasse une pierre parce qu'elle ressemble à un visage et la garde avec lui jusqu'à sa mort? Pourquoi est-ce que les hommes de Néandertal, on a trouvé des collections entières de dents percées, de pierres bizarres, pourquoi les hommes ramassent des choses comme souvenirs, hein? Qu'est-ce que ça veut dire le souvenir? C'est s'arroger, enfin, essayer de comprendre le chaos du monde dans un objet en petit, un objet qui contient du temps. Enfin, c'est vachement, vachement étonnant. C'est pour ça que dans mon histoire, il y a cette histoire de pierres qui portent des images, qu'on appelle les pierres à images, qui portent des images qu'on peut emmener avec soi. Une image, c'est quelque chose de très récent. Amener un dessin avec vous dans la poche. Il y avait des bas-reliefs, etc., mais un dessin qu'on emmène, non. Et ces pierres remarquables, et qu'on connaît, parfois on ramasse des cailloux qui ont l'air d'un bord de mer, de machin, c'est ça que j'ai voulu raconter.